Richard Wagner.
Thank you.
et son étincelant de jeunesse défiait le cours du temps. Le Barbier de Séville de Rossini fut composé en 17 jours, instrumentation comprise, ce qui prouve que l'inspiration vient quand on l'appelle, à condition que l'on sache où et comment la trouver. Voici l'ouverture du Barbier de Séville de Rossini. Thank you.
mais c'est pas la fin du film. Oui, tu n'es pas dans le film. Par Marc-Antoine Charpentier, musicien français 1635-1704. Il composa cantates et pastorales. Il était également chargé d'écrire de la musique sainte pour le dauphin Louis XIV. Il composa aussi un tédéum qui a été repris comme indicatif de l'Eurovision. Voici le tédéum de Marc-Antoine Charpentier. Thank you.
l'émission, hein, je pense qu'il y a une émission. Je ne parce que c'est une heure de contrat. Morceau caractéristique, comme l'horloge syncopée, voici la machine à écrire, le célèbre morceau qui fit le triomphe de Jerry Lee Lewis. Voici donc la machine à écrire de Leroy Anderson. Thank you.